Ce qui est important là aujourd'hui, c'est l'unité syndicale. Nous, on note qu'on a réussi à avoir une stratégie commune dans cette réunion. On a poussé le gouvernement dans ses retranchements. On l'a expliqué, hein, on a posé la question 8 fois sur le retrait de la réforme. On a insisté, réargumenté. Elisabeth Borne voulait partir sur autre chose à certains moments. Nous dire que il faudrait reprendre le dialogue sur l'ensemble des sujets, et à chaque fois on l'a y compris interrompu pour lui dire répondez à cette question, et si vous n'y répondez pas le dialogue ne sera pas possible sur les autres sujets. Juste vous dire aussi une note d'ambiance quand même sur le côté extrêmement fermé, y compris des visages du gouvernement, Elisabeth Borne, Stanislas Guérini, Olivier Dussopt, on les sent fébriles. On les sent en difficulté. Ils continuent à répéter les mêmes éléments de langage que ce qu'ils ont répété depuis le début, et sans aucune inventivité, quoi. C'est-à-dire, elle nous a absolument rien sorti aujourd'hui de différent de ce qu'on avait entendu précédemment. Et nous voulons y voir un signe de fébrilité. Ils sont en difficulté pour nous répondre. Et aujourd'hui, il y avait une opération de communication de leur part, évidemment. Mais malgré tout, nous, on y voit l'opportunité d'amplifier même le mouvement qui est en cours, parce qu'il y a une telle fermeture, un tel enfermement dans leur certitude, qu'on est convaincu que ça peut aussi susciter une colère supplémentaire de la part des travailleurs.